sait pas où ils vont chercher tout ça, mais en tout cas, on se régale de prière. Il va y avoir un concours de cosplay tout à l'heure, et nous avons le metteur en scène. Oh, très talentueux, hein. Ouais, moi j'ai pas fait vraiment des inventions, j'ai fait de la boxe française. Et j'ai un papa qui est prof, ça aide un peu. Donc je triche. Donc oui, j'en profite parce qu'en fait, comme il y a eu un petit décalage, on finit de se préparer. Alors, ce qu'on va vous proposer à l'heure actuelle, pendant une heure, c'est ni plus ni moins qu'un spectacle en clin d'œil à une grande émission de notre enfance. Je ne la nomme pas, maintenant les deux ne pas la nommer, donc je ne la nomme pas. Parce qu'on est en France, on fait dans les choses dans les facilités. Mais on va vous proposer en fait, c'est un panel de jeux. Chaque jeu a des cadeaux à gagner. Pour ceux qui étaient là, qui étaient présents hier. Alors, c'est bien de lever la main, mais moi je vais entendre du bon rire. Et comme il dit billard, c'est. J'ai l'impression qu'on passe à sèche cheveux. Non, j'ai pas dit jusque là. Ben voilà. Alors, ceux qui étaient là, vous avez remarqué qu'hier on a été généreux. Et ben, wow. Je vais vous montrer un exemple. Hein. Voilà, nous on a ramené ça. Par exemple. Et on fait gagner ce genre de choses-là, ça coûte rien, ça coûte juste le temps de monter sur scène. Donc voilà, vous aurez un panel de jeux, vous aurez un panel, on va dire, de choses inédites pour vous ici, parce que c'est pas inédit pour vous, on l'a déjà fait ailleurs, mais ça marche très bien. Et donc en fait, on a fait appel à ces personnages dessins animés de notre enfance, parce que comme le monde n'existe pas, on peut les nommer. Les représentateurs, on a trouvé des personnages, les héros de notre enfance. Et en fait, ces héros sont sortis de leur retraite. Vous allez voir, certains ont mal vieilli. Hein. Ben, ils ont vraiment mal vieilli. Ben oui, attendez, ils ont pris quand même 20 ans dans la musique. Ben, enfin, quoi qu'il en soit, ces gens-là sont de retour, juste pour vous. Donc c'est eux qui vont vous animer ce spectacle. C'est eux qui vont faire les cadeaux. C'est eux qui vont faire participer à des jeux, qui vont faire rigoler. Soyez attentifs, écoutez bien, regardez bien, c'est un conseil que je vous donne. Alors, moi je retourne derrière, la présentatrice vedette, je pense que quand elle va arriver, vous allez la reconnaître. Hein. Je crois que la position doit être dans un truc un peu comme ça. Bon, vous verrez bien. Je vous laisse donc patienter une petite seconde. Eh, Vilain. Ah, excusez-moi, attendez, on lui a pas encore mis... Je crois qu'il y a un problème de fuite, il y a une couche qui doit être en train d'être placée. Bon, cela dit, j'en profite pour faire le promo tout de suite, c'est qu'on termine ce spectacle, on commence ce spectacle, on termine le spectacle. Comme il y a un léger décalage, le concours cosplay ne va pas démarrer à 13h pile, mais vers 13h15. Donc on a de très beaux costumes, on a de très beaux groupes. Ça s'orientera de la manière suivante, le concours cosplay classique présenté, mais animé comme nous on sait faire de Corse, parce que nous, même là en Légion, on est de Clermont-Ferrand XP pour vous. On s'éclate, on est crevé, je m'en perds, mais on s'éclate. On se bête jusqu'à minuit chez vous. On n'a pas trouvé un local qui le fait. C'est un peu surprenant. Alors vous avez la mer, c'est formidable. Enfin, cela dit, vous avez un très beau coin, vous avez une belle région et le public. Moi, honnêtement, j'en ai fait beaucoup en convention, mais si je m'éclate, alors ben, merci à vous d'être là. Bravo. Et surtout, merci à vous de cette mentalité que vous avez. Donc, ils me font toujours pas signe. C'est bon? Voilà. Bon, bah alors elle va arriver. Alors, je vais vous demander de crier bien fort. La première chose que je voudrais que vous criez bien fort, c'est merci, mon game show, très très fort. Et derrière, je veux que vous criez très fort, très très fort. Puni, puni, puni. Mais quand? Mais si, puni. Alors, s'il vous plaît, la première. Et maintenant, je vous demande de crier. Plus fort, plus fort, plus fort. Ah, attendez, elle a pas mangé sa carotte. Ah, mais je comprends bien pourquoi t'as crié. Bon, mais excusez-moi, j'ai une équipe de Belges. Y'a pas de Belges, ça. C'est une blague, hein. Ouais. N'empêche, vous êtes bien contents, hein. Parce que si on n'était pas là pour faire la promo, hein, de la Belgique, on serait même pas où elle est. Je change des fois, je prends les Suisses aussi. Ah, c'est bon, ça y est.
Pichot. On va refaire vivre certaines années pour les trentenaires, pour les plus jeunes vont découvrir. On va se boucher les oreilles parfois. Hein. Bon, on a un peu rouillé, on a un peu vieilli. Alors il y en a qui ont pris la bedaine, dans ce que vous allez voir. Il y en a qui parfois perdent des cheveux. Il y en a qui font plein de choses, donc bon. En tout cas, en attendant, pour commencer, on va vous proposer un jeu. Ça vous dit ? Ouais ! Et après le jeu, on retrouvera un dessin animé. Ouais ! Vivant. Ouais ! Alors, pour le quiz, il va me falloir allez, deux joueurs qui font équipe. Qu'est-ce qu'on leur fait gagner ? Je sais pas, on verra. Vous savez pas si ça se joue pas. On se prend un petit cri là ? Un petit cri là, bah oui, un petit cri là, c'est obligé. Allez. Un petit cri là. Et bien là-bas, on a Sangoku qui va aller avec. Allez, ferme en fait l'antenne. Allez, allez. Allez, on va lancer le quiz spécial anime. Cri là. Oh oh. Alerte sécurité, on va se faire arrêter. On est. C'est le trou temporel. Bulma, réponse B, tortue
Chapardeur. Arietti, le petit monde des Chapardeurs. J'avais pas mis le petit au bon endroit. Réponse A. Joe Hisaishi. Réponse B. Yoko Kano. Réponse C. Cécile Corbel. Réponse D. Yuki Ketchura. Denver qui s'en va.
personne qui n'était pas dans le club Dorothée. C'est pour ça que je l'ai flingué. Ah, t'es revenu de compter ? Je me suis pris une beauté. Tu t'es pris une beauté ? Ouais, parce que mes cheveux étaient à la moitié du crâne, ça ne se fait pas. Et mais t'es pas de ma génération, toi ? Non, c'est pas grave, les gens m'adorent, n'est-ce pas ? Plus que toi, plus que toi, et moi j'ai du boulot aux fesses. Reviens quand tu feras un 95D. Thank you.
celui-ci. Et ainsi de suite. Donc une fois que toi, bienvenue, tu reprends sa place et tu fais une devinée au suivant et au suivant. Toi, tu n'as pas le droit de regarder l'écran. Les autres peuvent, c'est encore plus drôle quand on voit les deux, mais c'est toi qui dois deviner. Et vous, vous avez le droit de rigoler parce que c'est le but. D'accord? C'est parti! Je! Non, l'ordinateur est fatigué aujourd'hui. Thank you.
des petits personnages mascottes, sinon... Sauf que je trouve qu'on est vachement plus joli sur l'image que là. Point, 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 c'était derrière. Mais bon, je gère les cosplayers en même temps, je pourrais tout faire, bonhomme. Ouais, donc, excusez-moi, on revient dans nos personnages. Tu restes pas là, toi? Bah si, parce que pour monter et descendre des escaliers, genre, je te fais. Je savais bien qu'il allait se plaindre. Bon, alors, vous avez deviné ce que vous allez regarder? Senseiya! Senseiya! Bon, à l'époque, on n'appelait pas ça Senseiya. On va regarder... Voilà, allez, je vous laisse. Au revoir, et souffre bien! Tu pouvais pas y aller avant? Chevalier d'Athéna et leader des chevaliers de bronze. Héros doté d'un QI d'une huître, sa témérité n'a d'égal que sa connerie. Et on l'appelle le chevalier du P. Gaz. Ouais, je sais, c'est à chier. Voilà Shiryu, le meilleur ami de Seiya et l'un des plus forts chevaliers de bronze. D'origine chinoise, il a fait l'objet de plusieurs arrestations pour atteinte à la pudeur, vu qu'il ne cessait de retirer son armure. Il est le chevalier du drap. Go. Vous attendez une blague, hein? Non. Oh putain, ça sent la mort! Dis donc, toi, t'es pas censé avoir retrouvé la vue depuis la maison du cancer? Si, mais c'est pour toucher droit au trap. C'est quoi ce chantier? Cette personne, c'est Marine, chevalier d'argent de l'aigle et mentor de Seiya. Ancienne leader d'un parti politique ayant échoué lors d'un second tour illusoire. Elle décida de se teindre les cheveux et de porter un masque par souci d'anonymat. Qu'est-ce que vous avez foutu, bordel? Ah, c'est pas nous, hein? Elle était déjà là quand on est arrivé. Je confirme, la viande était déjà froide. Et ça vous viendrait pas à l'esprit de savoir qui a fait ça? Tu as raison, hein? Mais qui aurait pu lui tirer dessus? Encore un bouffeur de kebab ou de hummus. Mais non, voyons! La flèche serait dans le dos, sinon! N'empêche, hein, c'est vraiment du travail de salaud, hein. En plein dans le revers gauche. Oh! Vous entendez? Ah, t'as encore pété, toi! Qui ça? Moi? C'est pas moi! C'est la morte qui fuit! Mais au fait, vous êtes que tous les deux? Ben, Iki fait toujours bande à part. Et Sean est resté auprès de Yoga. Il s'occupe de lui, il a parlé de le réchauffer, je crois. C'est bien beau, les gars! Mais qu'est-ce qu'on fait maintenant? Ben, tu aimes le nom? On n'est pas de même partie! On laisse le père et jeune ici, et on fonce à la maison suivante. Youhou, les garçons! Alors, y'a quelqu'un d'autre à réchauffer? Bon, si vous voulez faire quelques photos, on est là pour ça.
Ils vont prendre la grosse tête si vous faites ça. Sérieusement, ils vont prendre la grosse tête. C'est quoi la tête des grosses? Les chevilles rentreront. Ça, c'est de la mentale, hein, je vous garantis. Parce que ça aussi, ça vieillit. Hein. Une photo de groupe. Ah, faut que je me rapproche. Photo de groupe. Oh, ouais. Elle vient là, on va pas s'oublier. J'aime beaucoup le volet des cheveux. Hey, tu veux une photo sympa? Alors, ben maintenant, ben, il y a un... Non, j'entends pas.
me tire la tête au guerrier. Hein. Ce ne sera pas la tête au Pégase, ce sera la tête au guerrier. Est-ce qu'on peut avoir les cadeaux pour notre équipe gagnante? Oh, Pégase! Les cadeaux? On a fini son temps, hein. T'as pas entendu. Moi, je suis... tant que je suis pas payé, je donne rien. C'est ton équipe qui a gagné, hein. Faut pas suer. Mais on a gagné. Super, pas tant que toi. On s'entend pas. Et là, je te fais un câlin. Oh.
hein. Tu vas absolument trouver ta t-shirt. Voilà. Et Vita. Voilà. Viens, mange, viens. Vous avez ici présent la team Plein Corps et associés, avec surtout le président qui est là et qui s'occupe de la régie, Mickey. J'aimerais que vous criez très fort, Kenny, Kenny, pense à toi, avec nous. Mon pote, cette dédicace, quand je, leur dire, quand je vous donne le signal, vous allez crier. C'est bon? C'est même plus des Suisses. Hein. Attention aux trucs par terre quand même. C'est bon? Attention aux accessoires. T'as une petite vidéo là qui tourne ou pas? Tu me dis, hein? Allez, c'est parti alors. Kenny, mon pote, on t'a pas oublié comme prévu, on t'a fait ta petite dédicace sur scène, mais on préférait le faire avec le public qui a décidé de, bah, de te dire une petite chose. Pense à toi, mon pote. Eh ben écoute, Fréjus, t'attends pour l'année prochaine, parce que d'après ce que j'ai pu comprendre, même si rien n'est fait, il y a de fortes chances qu'on nous revoie chez vous l'année prochaine. Bien. Alors on va pas perdre de temps parce qu'après ça prend un peu de temps, donc je vais vous demander d'évacuer les gars, c'est cool. Parce qu'il faut savoir qu'on est sur notre stand, donc on gère toute la journée les activités de quelques coupures, mais qu'on gère ces trois entraînements de scène à chaque fois pour mettre d'ambiance. Parce que moi quand j'ai vu la manga show qu'on venait, j'ai vu le directeur, je lui ai dit ça manque de vie et je vais t'en mettre sur scène avec mon équipe. Et encore je vais vous dire, je suis très déçu. Parce qu'on peut faire 100 fois mieux, on sait lui faire beaucoup mieux. Mais bon. On ne peut pas mettre la barre trop haute, parce qu'on a encore des surprises. Alors je vais vous présenter... Oh ben merci, hein, du coup. Je suis jamais... Moi je dirais que je suis jamais contre les applaudissements, c'est contre le QQ, oui, mais là, non, c'est super sympa de votre part, vous êtes adorables tous. Puisque vous êtes super sympa, je vais peut-être faire un geste pour voir... Ah, il n'y a que ça, là. Ah, il y a des trucs dans le fond. Ah. Alors, le concours de cosplay va démarrer. Est-ce que tu peux me donner l'heure? Excusez-moi parce que tout est timé, quand j'ai ces costumes-là, j'ai pas de montre. Il est 1h15. Yes, je suis en timing, j'avais annoncé qu'il y a un retard. On est super, les cosplayers sont derrière et ils sont prêts. On a aujourd'hui le cosplay groupe. Nous avons une douzaine de groupes, je ne sais plus. On en a 11 exactement. Et il y a du très beau, du très très beau. Et franchement, ils ont mis le paquet. Seulement, là, on vient de nous amuser un petit peu. On n'a pas trop mis l'ambiance. Et moi, je pars du principe qu'à chaque fois, il faut chauffer pour les mettre en état de transe, pas avoir le trac, se dire ah, on est attendu. Et pour être attendu, quoi de mieux que de pousser la chansonnette. Et moi, quand je suis poussé la chansonnette, j'ai une règle, une seule. J'en donne pour tout le monde. J'en donne pour les jeunes et j'en donne pour les moins jeunes. Alors, je vais vous demander de faire un max de bruit sur les deux morceaux que j'ai choisis pour vous. Je veux que ça résonne parce que le directeur m'a encore dit aujourd'hui. Il était ravi. Et ben je veux qu'il soit même pas ravi, je veux qu'il se relève même pas avec ce qu'il va entendre, je veux que ça résonne jusque chez Marcus, jusque chez Michael Cudibs, j'espère prononcer correctement. Je veux vraiment que ça vocifère, que ça hurle. Mickey, s'il te plaît, tu envoies le premier karaoké, un petit karaoké groupe tous ensemble, que vous connaissez, c'est pour l'ancienne génération avant tout, mais vous allez reconnaître tout de suite. Le 16e siècle, des quatre coins de l'Europe, de gigantesques voiliers partent à la conquête du nouveau monde. Amants et désordres, avides de rêves, d'aventures et d'espace, à la recherche de fortune. Qui n'a jamais rêvé de ces mondes souterrains, de ces mers lointaines peuplées de légendes, où une richesse soudaine qui se conquérerait au détour d'un chemin de la Candide? Oh, j'entends rien, moi, là. Qui n'a jamais souhaité voir le soleil souverain? Vous entendez bien, moi? Au cœur du pays. Ah, ouais. Et de temps en temps, tu mets ça, je suis en train de chanter. Allez, hein, vous êtes prêts?
connaissent super bien, tant mieux. Si vous faites du yaourt, je trouve que ça c'est formidable. Faisons un karaoké yaourt. Moi le premier, je fais du yaourt dessus. Allez, je vous laisse le découvrir. Je pense qu'avec ça, on va faire un succès. Ah, je suis content. Il a voulu faire un style...